La caravane a été attaquée juste à côté de Covenant. Donc là, on a un artilleur. Alors lui, on se demande bien ce qu'il fout là. Est-ce que c'est les gens de Covenant qui ont engagé un mercenaire pour attaquer la caravane? Qu'est-ce que c'est que ça? La limonade de 10 heures, hein? La caravane s'est bien arrêtée à Covenant. Ouais, elle s'est arrêtée à Covenant. Non, parce qu'il y en a une là-dedans aussi. Limonade de 10 heures. Voilà. Donc évidemment, les gens nous ont menti. Ça, c'est la preuve que la caravane est allée à Covenant. Donc maintenant, il va falloir essayer de trouver la vérité. On nous a parlé d'un complexe qui se serait chargé de la caravane. Maintenant, il faut qu'on détermine où se trouve ce complexe. Et qu'est-ce que c'est exactement que ce complexe? Et bien sûr, vous allez voir pourquoi les gens nous mentent. Ça a un rapport avec le fameux test de sécurité qu'on a fait à l'entrée. C'est bien gardé, hein. Il y a des barbelés avec des grands murs et des tourelles tout autour. La petite casquette parce qu'il commence à y avoir du soleil. Bon, je vais reprendre Preston. Ouais, non, attends, tu vas rester là pour l'instant. Moi, je vais faire un petit tour. On va fouiller un petit peu les baraques. Alors là, j'ai le droit, c'est la maison commune. Bonjour. Ouais bah c'est bon, on s'est déjà vu 50 fois, Jacob. Goûtez donc la limonade de 10 heures. Ouais, alors cette fameuse limonade, au début je pensais que ça avait un rapport avec la quête, mais ça redonne 50 points de PV, donc elle est quand même puissante cette putain de limonade, mais elle a pas d'effet spécifique en fait, hein. C'est pas un poison ou quoi, on pourrait croire, hein, on se dit... Bon, les gens ici avec la limonade, je sais pas ce qu'ils font, mais non, non, la limonade n'a rien de spécial. Ouais, donc il n'y a rien à voir dans cette maison, il y a juste le terminal public à consulter. Donc là, un message de bienvenue aux arrivants, que votre séjour soit bref ou non, nous avons tout ce que vous recherchez à Covenant. Notre situation géographique en plein cœur du Commonwealth donne accès facile aux routes commerciales, papapapapa. Nos dortoirs sont spacieux et bien aménagés. Il y a un Mr. Andy qui offre des rafraîchissements. Couchage supplémentaire pour les grandes caravanes. Il suffit de s'adresser à Monsieur Fitzgerald. Nous espérons que vous profiterez bien de votre séjour. Voilà. Histoire de Covenant. Le test, on s'en fout. Le test de sécurité. On nous pose souvent des questions sur le test de sécurité. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-il nécessaire? Votre sécurité est la nôtre. Et notre priorité. Et ce test a été créé dans ce but par quelques-uns des plus grands cerveaux de l'ancien monde afin d'obtenir un profil psychologique détaillé de tous ceux qui y sont soumis. Les causes d'échecs sont variées, tendances antisociales, vulgarité, santé mentale, pour ne citer que celles-ci. Bien souvent, nous pourrions tout de même accueillir ce genre d'individus, mais nous faisons particulièrement attention à n'accueillir à Covenant que des gens parfaitement recommandables comme vous. Voilà. N'oubliez pas, c'est pour votre bien et votre sécurité. Donc le test de sécurité, en fait, est censé servir à faire le tri... À la base, ça fait plaisir de voir une nouvelle tête entre les personnes désirables et indésirables, on va dire, qui pourraient s'installer à Covenant. Ça, c'est la version officielle. On dirait qu'un marchand a laissé son sac de couchage. Il n'y a aucune marque dessus. Pas moyen de savoir s'il appartenait aux gens de Stockton. Je déteste cet endroit. Il se passe pas un jour sans que je remercie ma bonne étoile de vivre ici.
Ouais, c'est très bien. Hé, hey Dan. Cette ville me met à cran. J'espère que vous avez du nouveau sur la caravane. Vous avez d'autres pistes? Non. Si mon enquête ne donne rien à Covenant, je ne sais vraiment pas par où commencer. J'aviserai en temps voulu. Vous avez des conseils à me donner pour mener l'enquête? Les baraquements sont fermés à double tour. Vous trouverez sûrement quelque chose si vous réussissez à y entrer. Mais il pourrait y avoir des indices n'importe où. Ouais, alors ça c'est pas vrai, hein, parce que... On discutera plus tard. Les baraquements sont tous ouverts, donc je vois pas pourquoi il dit ça. Regardez là, la porte est ouverte, la porte est ouverte, la porte est ouverte, la porte est ouverte. Donc autant y aller de jour, peut-être que la nuit c'est pas le cas. Fais gaffe à pas voler de trucs non plus. Toi, tu surveilles... d'icônes. Ça, c'est du verrou. Il faut que je trouve la clé. Espérons que quelqu'un aura été négligent. Ouais, alors, là, c'est un petit peu... Cette réplique est un peu what the fuck. La dernière fois que je suis venu, j'avais pas fait gaffe, la porte devant était ouverte. Vous voyez, les autres portes sont verrouillées. Celle-là, elle est ouverte en journée. Bon. Donc, là, on va prendre les clés de la maison, au cas où ça peut toujours servir. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? L'autre, il voit même à travers les murs, il sait que je vole des trucs, quoi. T'occupe, fais juste gaffe à ce que personne ne rentre pendant que je suis là. On vole le mot de passe. Voilà, ça peut toujours servir pour un ordinateur. Ça nous servira, d'ailleurs. Bon, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à examiner ici, si ce n'est ça. Simple rappel, Covenant est un endroit sûr, quelles que soient les épreuves que vous ayez dû surmonter, il ne vous arrivera rien ici, mais nous avons tous un rôle à remplir. Le bouche à oreille doit s'étendre jusqu'à ce que des dizaines de personnes passent par ici chaque semaine. Donc ils font exprès, en fait, d'être extrêmement accueillants pour attirer des gens. Mais dans quel but? Voici donc quelques directives. Soyez accueillants, mais ne mettez pas nos visiteurs mal à l'aise. Encouragez-les à amener leurs amis chaque fois que l'occasion se présente. Ne parlez jamais des synthétiques, ne parlez jamais de l'Institut. Donc, ils craignent les synthétiques et l'Institut. Je vous laisse cogiter avec ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont si peur des synthétiques ? Prudence. Oui, quoi ? On y va. Vos désirs sont, sinon des ordres, mais plus vives recommandations. On va reposer une question à la file. Et après, on ira fouiller la dernière baraque. Je ne devrais vraiment pas vous parler, parce que je suis occupée et tout ça. Talia. Ah, vous voilà. Il n'y a pas mieux que Covenant, hein. J'ai quelques questions, si vous avez le temps. Si ça peut vous aider, certainement. Est-ce que Covenant a un problème particulier avec les synthétiques ? Les synthétiques ? Non, pas du tout. Le test veille à ce qu'aucun d'entre eux ne puisse entrer ici. C'est ce qu'ils nous ont promis. Voilà, elle commence à parler. Qui vous a promis ça ? C'est... Pardon, je n'ai pas le temps de discuter. J'ai du travail. Au revoir. Vous aimez vraiment vous balader, hein ? J'ai vu plus de coins du Commonwealth à vos côtés que dans le reste de ma chienne de vie. Donc là, j'ai peut-être pas choisi la bonne réponse parce que j'aurais peut-être pu approfondir la chose si j'en avais posé une autre. Mais bon, on voit qu'elle ment aussi au sujet des synthétiques. Encore fichu? C'est la troisième radio ce mois-ci. Ted a intérêt à s'en occuper vite fait. Encore une nouvelle tête. Bienvenue. Alors lui, il a rien à nous dire de toute façon. Rapport du test de sécurité. Donc ça, c'est important à lire, mais je peux pas le faire sous ses yeux. Voilà, il sort. Donc là, il a dit que la radio était cassée. Cette radio semble endommagée. Partir. Perception +6 et examiner la radio.
Les dégâts sont irréparables, elle était réglée sur la station 94. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? La station 94, moi si je regarde ma radio, j'ai pas de station 94. Donc c'est con. Si je pouvais régler manuellement la fréquence encore et que je pouvais trouver un signal grâce à ça, ce serait une bonne idée. D'un point de vue vidéoludique, ce serait sympa. Facile, mais sympa. Mais non, on peut pas le faire. Donc j'ai pas compris l'intérêt de cette découverte en fait. Rapport du test de sécurité V11-3. Taux d'échec de 28%, delta moins 1%, nouveaux échantillons de données. Bon, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Voyageur anonyme, un échec enregistré. Goule de la Bourbière, un échec. Faux positif confirmé. Caravane de Stockton, 5. Deux échecs résolus, RR ou Institut. Monsieur Tims, voilà. Bon, ils ont testé pas mal de gens. Et apparemment, ils font des tests, enfin... Ils essayent de tirer quelque chose du test de sécurité. Mais quoi? On va le voir par la suite. Voyons voir. Traitement de la dépression, les 12 étapes du chagrin, et des manuels de développement personnel. On se croirait dans une bibliothèque. Cette cellule n'est pas là pour faire semblant. Donc ils enferment des gens ici. Alors vous allez me dire, ouais, bah c'est peut-être une cellule juste pour les prisonniers qui se comportent mal, voilà, les gens violents. Voilà, le mot de passe nous sert. Je profite qu'on soit seul pour accéder au terminal. Bon, fichier du personnel. Voilà, ça c'est tout le personnel de la ville. Donc, on peut lire plein de trucs sur chaque individu. Hein. Ça nous renseigne un petit peu, mais... Enfin, pas tellement. C'est à vous de déduire des informations de ça. Monsieur Fitzgerald prend notre mission au sérieux tout autant. Hein, s'il pouvait faire quelque chose au sujet de sa femme. Bon, Fitzgerald, c'est le mec avec le blouson noir qu'on vient de croiser. Ça, c'est sa femme. C'est celle qui tient la boutique, il me semble. Mention des synthétiques en les traitant d'indésirables. Altercation avec Monsieur Bell. Commentaires négatifs fréquents concernant d'autres personnes et d'autres endroits du Commonwealth, surtout sur Diamond City. Sévère réprimande pour avoir averti un marchand au sujet de l'Institut et de ses sales manières. Si Madame Fitzgerald n'était pas aussi efficace à son poste, je la ferais réaffecter au complexe, mais elle est mariée à M. Fitzgerald et son affectation permanente ici semble incontournable. Rien à faire si ce n'est renforcer fréquemment nos objectifs et leurs paramètres. Bon, apparemment, elle a tendance à faire des bourdes en ouvrant trop sa gueule, on l'a vu à la boutique. Elle a gaffé en nous parlant du complexe. Huntley, alors Huntley, possession de produits de contrebande à 3 repéris, son comportement a tendance à un antisocial mais les visiteurs mal à l'aise. Huntley est à nouveau à convenante et si l'on tient compte de son vécu, il est compréhensible qu'il soit du genre nerveux. Espérons qu'avec le temps la communauté lui donnera un sentiment de sécurité. Toutefois, s'il persiste dans son comportement, il faudra peut-être l'effecter ailleurs. Je passe. Bon côté, c'est que son. Pour jouer les coursiers avec le complexe, toujours ce fameux complexe. Bref, là on parle un petit peu de tout le monde, bref, tout ça on s'en fout. Allez, on regarde son son. Vite fait, le mec qui nous a fait passer le test, il est introverti, chargé d'administrer les tests et comme il travaille directement pour le complexe, je sais rien de son passé ni de ce que je pourrais faire pour l'aider. Il reste résolument à l'écart de la communauté, j'ignore si ce sont ses ordres ou simplement son tempérament. Voilà, donc le mec à l'accueil travaille aussi pour ce fameux complexe. On va aller voir, voilà, la localisation, elle est là, rapport sur un pêcheur. Huntley a annulé 5 courses au complexe à cause d'un pêcheur non inconnu qui s'est installé dans les temps de Mystic Pines. Il a dit que son nouveau point de pêche préféré se trouvait juste au-dessus de l'entrée du complexe. L'équipe de récupération de la caravane de Stockton a failli être repérée par ce pêcheur. Je recommande... Voilà, il n'y a pas la suite.
Donc maintenant, on a la localisation du complexe qui est ici, de l'autre côté de l'étang, pas loin de la ville. Donc on va aller avertir Dan et on va s'y rendre. Après une chaude journée, il n'y a rien de plus agréable que la limonade de 10 heures. Il se cache quelque part, j'en suis sûr. Hey Dan, vous avez découvert quelque chose sur la caravane ? Ils ont emmené les survivants dans un complexe. Pas de temps à perdre. Je vous retrouve là-bas, on va les faire sortir de là tout de suite. Bon, lui, il sait pas qu'on travaille avec le réseau du rail, hein. Enfin, je pense pas. Eh, c'est par là, Deacon. Je déteste cet endroit. Bon, le vieux nous attend à la sortie. Vous devinez un petit peu ce qu'il compte nous dire. Vous savez, ce n'est un secret pour personne que vous fouinez partout. Ce n'est pas très civil, si vous voulez mon avis. Je sais que vous pensez bien faire, mais ne prenez pas de décision irréfléchie que vous pourriez regretter ensuite. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Si seulement c'était vrai. Faites preuve d'un peu de discernement. Bref. Il nous met en garde, il nous menace un petit peu, mais il fera rien. C'est une tafiole. Alors, mascotte, tête de mascotte, hop, pour ressortir. Salut, merci de m'ouvrir la porte. Attends-nous, Danny. Donc vous aurez remarqué un truc marrant. Ah merde, j'ai oublié d'enlever la casquette, ça fait double. Vous aurez remarqué un truc marrant, c'est que Deacon, il change régulièrement de vêtements, en fait. La première fois que j'ai vu ça, j'ai halluciné, je comprenais pas. Il était habillé d'une manière, je me retourne, soudainement, il a changé de fringue, je me dis, mais comment il fait ça? Bon, je continue d'avancer un petit peu, il rechange de fringue, et en fait, de temps en temps, vous le voyez à poil, et il change de vêtements en permanence, parce que c'est un gros parano, et son truc, c'est le camouflage. Il change sans cesse de vêtements. Et c'est dommage qu'il en ait pas plus que ça, et qu'il... surtout des déguisements un petit peu marrants, parce que il en a 5-6, on va dire, mais il n'a pas de trucs trop extravagants non plus, quoi. Voilà. Donc, le complexe, le fameux complexe, il est juste en face. Vous voyez là-bas les espèces de bouches d'égout qui sortent de la colline. C'est de l'autre côté, voilà. Donc, on va se rendre là. Je vais pouvoir enlever maintenant ma tête de mascotte à la con. J'ai pas envie de nager, donc on va faire le tour. Et puis, je vous fais une petite coupure et on se reprend juste après. Bon, voilà, je vous reprends rapidement en off, vous m'excuserez, hein, mais j'ai eu un petit souci de capture. On est donc allé de l'autre côté de l'étang de Mystic Pines, où se trouve l'entrée en fait du complexe. Je vais vous reprendre en live très rapidement dès qu'on sera rentré dans les égouts, hein, vous inquiétez pas. Bon, de temps en temps, j'ai un petit souci, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, voilà. On va pas en faire un drame. Là-bas, vous voyez le fameux pêcheur dont on a entendu parler dans les journaux de l'ordinateur qu'on a piraté à Convenante. Et l'entrée se trouve juste là, en fait, à l'intérieur des tuyaux. Voilà. Donc, je vais commencer par changer de tenue. Là, on a une petite scénette une scénette mortuaire que je trouve sympa. On a plein d'espèces de petites scènes comme ça dans le jeu qu'on peut trouver de scènes un peu mortes qui font penser au passé d'avant-guerre ou alors c'est des gens d'après-guerre, mais je sais pas ce qu'ils foutent ici avec une télé, mais je sais pas, j'aime bien cette petite scène. Allez donc vous trouver votre voilà, donc on,
on peut s'adresser au pêcheur, hein, mais il a pas grand chose à nous raconter, à part nous dire de dégager parce qu'on risque de faire peur aux poissons. Il est désagréable, il mériterait une petite bastos, mais on va se retenir parce qu'on n'est pas comme ça. J'ai décidé de changer de tenue. Alors bon, la tenue de facteur, c'était surtout pour me la jouer un petit peu incognito à convenante et pas débarquer avec ma tenue de en cuir, mes armes et tout, pour essayer d'être un petit peu discret, de me fondre dans le décor. C'était un camouflage, un peu comme ceux de Deacon. Je trouve un peu dommage d'ailleurs que le jeu ne tienne pas compte de ce genre de choses. Vous vous pointez dans un village en armure assistée, en armure classique, en robe ou à poil, ça ne change strictement rien par rapport aux réactions que peuvent avoir les personnages vis-à-vis de vous. Voilà, ils vous perçoivent de la même manière. Alors parfois, quand on est à poil, je crois, ils nous font quelques réflexions, comme quoi on est un petit peu bizarre, on risque d'attraper froid, ce genre de conneries. Mais sinon, ça n'a jamais aucune incidence, et je trouve ça, enfin, rarement, il y a des vêtements qui vous permettent d'avoir plus de charisme, ce genre de choses, mais on vous dit pas, on vous fait jamais de réflexion sur votre tenue, et je trouve ça un petit peu... Il y a Deacon qui a enfilé la même tenue. Il est à moi, et à vous. Je trouve ça un petit peu dommage, en fait. Voilà. Ouais, donc j'avais fait quelques échanges avec lui, je crois. Je lui ai donné quelques cartouches pour la Thompson. Je sais pas s'ils ont besoin qu'on leur donne de cartouches ou s'ils piochent automatiquement dans les munitions qu'on a dans notre inventaire. J'ai jamais très bien compris en fait comment fonctionnaient les acolytes géraient leurs munitions. Voilà. Donc on est obligé de sauter dans la gadoue, hein. Donc bien sûr c'est radioactif. Et voilà, l'entrée se trouve juste à l'intérieur du tunnel central. Et je vous reprends en live de l'autre côté juste après. Bon alors, tu me suis, Deacon ? Ouais, c'est bon. Et notre petit Danny est juste en face. Ça sent la merde ici. Je déteste cet endroit. Ouais, c'est rien de le dire. Hey Dan. Il y a du monde devant, je vous suis. Ok, je passe devant. Alors là, vous allez voir... Hey, je croyais que je passais devant. Puis sors ton flingue, hein, prépare-toi, parce qu'on va pas se la jouer... On va pas boire du thé, là. Hein. Voilà, on va éteindre la loupiote. Vous allez voir, on va avoir le droit entre deux approches. Une approche diplomatique et une approche bourrine. Je vais tenter d'être entre les deux. On va se la jouer clever, smart, intelligent. Enfin, on va essayer, hein. Je dis pas que ça va réussir. Je déteste quand il me supplie. C'est juste toi ou moi. Les étrangers ne sont pas autorisés ici. Qu'est-ce que vous faites là ? Ah, putain, j'espère que le prochain mot. Qui êtes-vous ? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous faites là ? Tout ce que je veux, ce sont des réponses. Sur la caravane de Stockton, rien de plus. Je vais vous emmener voir le docteur Chambers. Elle saura quoi faire de vous. N'essayez pas de jouer au plus malin. Ouais, bah on va voir qui est le plus malin tout de suite. Bon, merci pour le garde qui parlait par-dessus les dialogues. Bon, vous restez, vous me filez le train, hein, et vous êtes réactif. Ça va aller très vite. Bon, là, ils nous conduisent à l'intérieur du complexe. Le mec va m'emmener voir sa patronne. Blight ! Hey, Blight ! Ils les torturent. Ils sont malades. J'attends votre signal. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, Manny ? Je croyais que vous en aviez fini avec le sujet 12. Ah oui, on a fini de l'interroger. Je revoyais juste les données de la quatrième question. C'est vraiment fascinant. Ouais, j'imagine. Certainement. La visite guidée s'arrête là, connard. Du calme. Vous n'auriez pas... Oh, main en l'air. Vous méritez notre salaire. Vous nous payez, d'accord. Quoi ? Il nous attendait. On a dû changer un genre de détecteur. Je vous parie 50 capsules qu'il y en a encore bien plus derrière. Non mais, on n'a pas déclenché de détecteur. On a collé un coup de crosse dans la gueule de ce bon vieux Manny.
Voilà. Bon, ce qui est un peu con-con dans ce jeu, c'est que l'IA est pas très poussée. Hein. Vous assommez un mec, les gars, ils vont pas aller chercher beaucoup plus loin. Ils trouvent un corps. Qu'est-ce que t'as, Deacon? T'as la bougeotte? Bon, là, on peut pas passer, la porte est enchaînée. On va remonter s'occuper de ceux qui sont là. J'ai réussi à... Alors, vous avez vu, peut-être, j'ai essayé de pacifier Manny. En fait, c'est une technique, c'est dans les... Merde, c'est où? Ah oui, le tableau d'aptitude. C'est dans intelligence, je crois, ou charisme, je sais plus. Où est-ce que c'est? C'est par là. Ah, et c'est là. Voilà, intimidation. L'intimidation, en fait, ça vous sert à pacifier les personnes. Vous pouvez le faire avec les humains, les mutants et les animaux aussi, je crois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous visez un ennemi avec triangle, enfin, quand vous visez un ennemi, que vous appuyez sur triangle, votre personnage demande à l'ennemi de se rendre ou de se calmer. Et en général, alors ça dépend de son niveau, ça dépend des situations, il peut lever les mains et se rendre. Ça peut même arriver en plein combat, ce qui est complètement con. Mais il peut arrêter de vous attaquer. Bon, là, le mec, il s'est rebellé. Donc, j'ai essayé de le frapper. J'ai réussi à l'assommer avant qu'il y ait trop de coups de feu. Donc, c'est pas trop mal. Alors là, je sais pas si le gars, il a ouvert... Non, il a pas ouvert la porte, elle est restée fermée. Il faudrait que j'aille récupérer les clés sur le corps de Manny, là. Le problème, c'est qu'il y a des gardes en bas et je risque de me faire repérer, surtout avec les deux zozos, là. Alors toi, Deacon, tu vas rester là. Quoi de neuf? Attendez. Absolument. Et mon enthousiasme n'a strictement rien à voir avec l'envie de faire une pause pour m'en griller une. Bon, toi, je peux pas te demander de pas bouger, je pense pas. Hé, hey, Dan. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, nom de Dieu? Ouais, on va le voir tout de suite, ça, ce qu'il fout ici. Hein. Mais non, je peux pas lui demander de pas bouger. Alors, écoutez, on va prendre un Stealth Boy. Comme ça, pour moi, je suis sûr. Et au pire, j'essaierai d'être réactif avec le pistolet silencieux. Stealth Boy. Oh, sans lag! Génial! Alors. Allez, les clés. Voilà, merci. C'est bon, on remonte. Remonte, connard! Remonte! Et arrête de courir dans les murs. Voilà. Ouais, il va me gêner, là. Psst. Ouais, quoi? En route! Vos désirs sont... sinon des ordres, mais plus vives recommandations. Ok, donc là, quand on va ouvrir la porte, ils seront pas loin devant nous, donc va falloir qu'on aille assez vite. Il y a un garde sur le divan. Il est où, le docteur? À droite. Ok. Avec le SWAF, je devrais pouvoir les avoir tous les deux. Merde. Ah bon, je peux pas l'avoir, d'accord. T'es chier. Survie pour se battre un autre jour. Putain, ça les... Un autre jour. Il y a des fois où le SWAV, comme ça, il... Vous savez pas pourquoi, ça fonctionne pas, quoi. Le machin, il marche sur un mec, sinon après, il braque vos amis. C'est complètement con. Pourtant, je l'avais dans mon champ de vision, le docteur. Enfin bon. C'est jamais votre garde. Si vous vous relâchez ne serait-ce qu'un instant, ouais. C'est là que tout partira en couille. Donc, on va écouter la petite cassette. Alors, je vous explique vite fait, vous allez comprendre. Hein. En fait, dans ce complexe, ils font des expériences sur les gens pour déterminer si ce sont des vraies personnes ou des synthétiques. Et en fait, le fameux test de sécurité qu'on a passé à l'entrée de Convenante, il sert, selon eux, d'après les expériences qu'ils font, à déterminer si une personne est un humain ou un synthétique. Alors les questions peuvent paraître bizarres, mais il paraît que les synthétiques bloquent sur certaines questions et que c'est comme ça qu'ils arrivent à les repérer. Qu'est-ce que je fais là? Allons, du calme. Commençons les constantes du sujet.
Un peu irrégulière, mais comprise dans les... Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous... Oh, bordel de merde! Refaites ça et... Oh! Je ne le répéterai pas. Ne parlez que quand on vous adresse la parole. Poursuivez, je vous prie. Le sujet est prêt pour le test de calibrage. Sujet, répondez aux questions rapidement et en disant la première chose qui vous vient à l'esprit. Un scientifique à l'air dérangé vous aborde en hurlant « Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique. » Quelle est votre réaction? C'est... le test de sécurité grand! Répondez à la question. Je sais pas. Je connais rien au science. Je fais comme s'il n'était pas là. Vous faites comme s'il n'était pas là, dites-vous. Fascinant. Il fallait qu'on les empêche de fuir, parce que parmi les deux, là, il est où le deuxième? C'est bon, ok, il s'est fait éclater par la grenade. J'ai déjà fait cette mission une fois, il y en a un qui a failli se tirer. Faut pas qu'on laisse de témoins, les gars. Bon, je pense que si le mec s'en va, ça arrive quand parfois les ennemis sont en situation de... Comment dire? S'ils sont en train de perdre la face, parfois il y en a qui fuient, mais en fait, ils se replient juste un petit peu plus loin avant de revenir. Mais ce qui serait sympa, c'est qu'ils puissent s'enfuir pour aller chercher des renforts au village, par exemple. Ça, ce serait cool. Mais bon, ça non plus, c'est pas compris par le jeu. Bon, là, vous venez d'entendre une petite cassette sur laquelle des mecs du complexe interrogent un gars qu'ils ont capturé pour savoir si c'est un synthétique ou pas. Voilà. Donc maintenant, vous savez ce qu'ils font dans ce fameux complexe. Et nous, il faut qu'on retrouve la fille de Stockton, Amelia. Elle est au bout des tunnels. Alors, où ils sont ces enfoirés? Il faut protéger les missions. Il faut protéger les missions. Il nous a pas encore vu. Ah si, c'est bon. Ah si, si, ils nous ont vu. Il faut protéger les missions. Alors ça, c'est vraiment embêtant. Avant de vous rencontrer, je passais parfois plusieurs jours entiers sans rien massacrer. Ici. Il y en a un là-bas. Je ne resterai pas caché longtemps. Les affaires reprennent. Tout un truc doit être éliminé. J'essaye d'avancer un petit peu intelligemment, hein, comme d'habitude, en faisant ce que j'appelle un découpage de tarte. C'est-à-dire que on avance méthodiquement, petit à petit, en regardant à chaque point d'angle. Deuxième cassette. Alors, c'est le test, je crois. Je vous en prie, j'ai un enfant. Voulez-vous un autre traitement? Bon, c'est la suite de l'interrogatoire. Hein. Bien, alors continuons. Félicitations, vous venez d'intégrer une équipe de baseball. Quel poste souhaitez-vous occuper? Je vous l'ai déjà dit. Receveur. Encore une fois, quel poste? Receveur, je veux être receveur. Pourquoi? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Stop! Voilà. Protéger le docteur Cook. Putain. Il va où, lui? Oh, quand faut y aller. Eh mais... Ça n'a pas été net, hein. J'aime bien me servir du couteau de temps en temps. Au corps à corps. Alors, il est toujours là, lui, ou pas? Tu l'as buté, mon petit Deacon, ou tu restes juste coincé dans les murs?
Ouais, on sait pas, là il y a une tourelle. Pas mourir. Au secours, venez m'aider. Non, bah je pense que celui qui était là, c'est celui que j'ai croisé là-bas. Et il a échappé à ta vigilance, Deacon, hein, ça c'est pas bien. Je les ai perdus. Ouais, alors, et nous voilà, on a perdu Danny. Il est où, Dan? Ah, il est là. Ouais. Tu nous files le train, mon gars, hein, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. La salle de réunion. Génial. Il doit y avoir d'autres cellules quelque part. Ouais, bah je viens d'en croiser une. Les gens sont là, je le sens. Ils torturent les gens, bien sûr, ça vous l'avez compris. Débriefing. Un indice de confiance élevé pour le sujet 12. Nous saurons sans aucun doute possible post-mortem. Des progrès au niveau de la question 3? Aucun. Tout est normal à l'électrocardiogramme. Les réponses sont bien trop prévisibles. Vous avez fait part déjà de votre avis concernant l'efficacité de la question 3. Et si on la supprime, ça risquerait d'invalider toutes les données compilées jusqu'ici. Ouais, ouais. Notre méthodologie a été exhaustive. Les réponses du sujet 12 pour ce qui est du baseball et de son enfance sont particulièrement fascinantes. Nous avons besoin d'un nouvel échec pour en savoir plus. Et là, la cassette est déconne. On ne peut rien faire d'autre avec le sujet. Bref, j'entendais deux voix qui se chevauchaient. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? La dernière question. Ça va vous paraître dingue, mais sommes-nous vraiment obligés de poser la dernière question sans restriction? Sans la restriction qu'impose le choix multiple, les réponses seront sans doute plus variées et les réactions psychologiques seront donc différentes, à moins que cela constitue un point de névralgie, un point névralgique de l'expérience. Ils étudient en fait leur test pour savoir s'il est vraiment bon et ils essaient de l'améliorer en permanence pour déterminer, comment dire, si le personnage en face d'eux est un synthétique ou pas. La question 4 a toujours été l'idée fétiche de Montgomery. Je crois que la question 4 est une fausse piste. Là on parle de la même chose. Montgomery, bon allez, on s'en fout. On apprend, c'est plus du contexte en fait que de vraies révélations, quoi. On n'apprend pas non plus. C'est rarement intéressant ce qu'on trouve dans les ordinateurs. On va se retrouver à découvert. Je vous couvre. Ces salopards pourraient nous tomber dessus sans prévenir. Ouais, bah pour me couvrir, il faudrait que tu sois derrière moi déjà. Ah, j'en vois un qui vient pile dans ma ligne de mire. En plein dans le flanc. Ah là, ça t'apprendra à pas te méfier. Bon, on va se dégager la sortie. Là, comme vous le voyez, il y a une plateforme qui n'était activable que de ce côté-là. Donc nous, on était... On était obligés de faire le tour. Il y a quelqu'un. Sans deck. Mince alors. Qui on est censé tuer maintenant? Toujours les mêmes enfoirés, mais... Il faut protéger les... On dirait que ça va devenir marrant. Mais pousse-toi! J'ai besoin d'aide, ne regardez pas! Réveille ce genre de truc. J'aime bien tirer un petit peu à l'aveuglette. Ok, il doit plus rester grand monde. Bon sang, où vous vous cachez? Le nettoyage à la grenade, il n'y a que ça de vrai. Bon, par là, c'est la sortie, il me semble. Il faut protéger les... Bien qu'on nous observe. Désolé, j'ai été aussi surpris que toi.
Et en plus, t'avais une bonne arme, enfoiré. Ah, une bonne vieille tradition millénaire, le pillage. On approche du but. Ah, le docteur a décidé de se rendre. Je vais garder ça au cas où elle tenterait un coup de pute. Salut. Oh, voilà. Salut. Le travail de toute ma vie est en péril à cause de vos efforts pour retrouver la prétendue fille de Stockton. Vous savez que c'est certainement une synthétique. S'il n'y a pas que l'argent qui vous motive, il est encore possible d'arrêter tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Rien de ce que vous direz ne pourra excuser ce que j'ai vu ici. Notre seul but est d'empêcher que d'autres innocents souffrent aux mains de l'Institut et de mettre un terme à la menace que représentent les synthétiques. Covenant est bien des choses. Un refuge pour les gens brisés, victimes des ravages de l'Institut. Un endroit sûr où penser ses plaies. Mais surtout, c'est notre seule chance d'en finir avec ces temps de paranoïa. Faisons un marché. Si vous me laissez éliminer la synthétique de Stockton et poursuivre mes recherches, je vous offre une somme équivalente à celle qui vous a déjà été proposée. Elle est bien bonne, celle-là. Pas question. Heureusement que je ne m'adressais pas à vous. Si vous prenez le parti de ces dingues, on va avoir un sérieux problème, vous et moi. Du genre mortel. Ne tuez pas la fille. Épargnez-la. Ou tuez-la. Suffit de nous donner un prétexte. Impossible. La probabilité qu'elle soit un agent de l'Institut est bien trop élevée. Même si ce n'est qu'une malheureuse victime de cette guerre, l'épargner pourrait tout compromettre. Pas question. Je refuse. Bien dit. Dans ce cas, il va falloir me tuer. Pas de problème. Pas un geste. L'heure de la baston. C'est vraiment un truc qu'on fait souvent. Gagner. Ouf. C'est sale. T'as éclaboussé le tuyau, ma grande. Ok, elle est là-bas. Elle a l'air encore en bonne santé. C'est dommage, c'est la seule prisonnière, j'ai l'impression. Là, ils ont emprisonné une cuisse de poulet. Et puis là, ils ont emprisonné un plateau repas. Voilà, donc je comprends pas trop. Pardon ? Ne me faites pas de mal ! Tout va bien. Vous ne risquez plus rien. Oh, merci. Merci infiniment. Je m'appelle Amelia Stockton. Je ne suis pas une synthétique. Je vous crois. Tout ce que je veux. Mars s'arrête. Mon père, le vieux Stockton, il vous récompensera. Laissez-moi partir. Mixage audio dans les chaussettes. Bon, alors, on pourrait crocheter la porte, hein, même si la serrure est maître, je peux le faire, mais vous voyez là, le piège à arc électrique, je suis sûr que si on se fait chier à crocheter la serrure, l'arc se déclenche et tue la fille. Ce serait vraiment ballot, après avoir fait tout ça. Donc, est-ce que le docteur a des clés sur lui ? Non, j'avais pas fait gaffe, mais il y a un ordinateur qui nous permet de le faire sans problème. La science est presque palpable dans ce coin. Hop, message enregistré, on s'en fout un peu. C'est quoi ça déjà ? Équipe de récupération prête. Tant que cette histoire de Dan Lintegh n'est pas résolue, faites-vous discret. L'opération de Stockton a un peu trop attiré l'attention. Monsieur Fitzgerald est furieux que vous ayez récupéré le sujet 14 si près de Covenant. Veillez à ce que cela ne se reproduise pas. D'accord. Bon, ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Divagation du docteur Rogers. Pas besoin d'avoir un diplôme en socio-économie pour voir que les règlements commerciaux de Covenant ne sont pas tenables. Dès que nous n'aurons plus les moyens de payer les subventions, Madame Fitzgerald augmentera ses prix pour arriver à un seuil de rentabilité. Le trafic commercial va ralentir, mais il n'y a pas que les marchands qui viennent à Covenant désormais. Ok. L'un des points évoqués par le docteur m'inquiète. Les pertes d'exploitation de Covenant sont en chute libre depuis le début. Les dépenses sont vertigineuses. Les batteries affluent. Ouais, ok, d'accord. Et le dernier, inquiétude majeure. Croyez-vous que les objections de ce genre sont nouvelles ? Je vous en prie, si vous avez une alternative viable, allez-y, mais n'oubliez pas ceci. Il nous faut un important échantillon de données plus... Ouais, bon, allez, ok.
On libère la fille. Hop, il y a que la cellule 1, je crois. Voilà, c'est celle-là. Vous allez voir un truc bien con. Elle va partir sans demander son reste, toute seule, sans attendre Dan. Voilà, elle va se barrer en courant, elle va rentrer voir son père comme ça. What the fuck? Il est où, Danny? Ah, il était dans mon dos, je me disais. Hé, hey, Dan. Donc, Stockton récupère sa fille et nous, on est payés. C'est plutôt une bonne journée. Ouais, on peut dire ça. Et si c'était une synthétique? Si après tout ce qu'ils lui ont fait endurer, ils savent toujours pas si c'est une synthétique ou pas, je dirais qu'elle est humaine. Voilà votre part. Je vais aller chercher la mienne chez Stockton. Ça a été un vrai plaisir. Faites attention à vous, Dan. Vous aussi. J'aimerais toujours vous parler, si ça vous dit. De quoi vous voulez parler? Avant, je travaillais seul. Mais j'avoue qu'à force de bosser avec vous, j'en viens à me dire que j'ai peut-être manqué quelque chose. C'est pas mal d'avoir quelqu'un sur qui compter. Surtout qu'on sait jamais quand l'Institut nous observe. Vous n'avez jamais eu de partenaire? Pas depuis longtemps. Et puis, avoir un partenaire au sein du réseau, ça peut être risqué. Ça fait une personne de plus qui pourrait vous balancer à l'Institut. Il y a des jaloux au QG. Tous ceux que vous connaissiez sont morts depuis un bon bout de temps. Attendez, j'ai pas encore parlé du bon côté. Quand quelqu'un du réseau fait une connerie, ses amis et ses proches se retrouvent en danger. Vous, ça risque pas de vous arriver. Alors pour vous, je devrais me réjouir d'avoir perdu mon fils ? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais si l'Institut apprend pour l'Église et nous envoie ses chasseurs, au moins, vous mettrez personne d'autre en danger. C'est tout. Ça a pas d'importance pour moi. Je suis un synthétique. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, j'ai pas grand-chose à perdre. Pour Glory et moi, et pour les autres aussi, c'est plus simple de nous consacrer à la cause. Vous êtes un synthétique? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? J'aime pas en parler. J'ai été un des premiers à subir une réinitialisation totale du cerveau. Et ça a été moyennement réussi. La plupart des synthétiques ont de faux souvenirs. Un foyer heureux, une famille. Moi, que dalle. Et ce genre de truc, ça finit par vous affecter.
Vu qu'on voyage ensemble, je tiens à vous donner ça. C'est mon code de rappel. Si vous avez besoin de savoir quelque chose sur l'Institut, lisez-le-moi. À quoi sert ce code de rappel ? C'est une sorte de filet de sécurité, comme un siège éjectable qui rétablit l'identité d'origine d'un synthétique. J'imagine que c'est assez traumatisant, comme un gros feu d'artifice, mais sans le spectacle, juste avec le bruit. Ne vous servez de ce code qu'en cas d'absolue nécessité. Il effacera toute ma mémoire, et je sais pas ce qui restera de moi après. Je me sentirais mieux si vous le lisiez pas tant que c'est pas vraiment nécessaire.